sa plus belle contribution, c'est ce qu'on a de plus beau à offrir. Donc, c'est un mélange de ce qui nous fait vibrer, de ce pourquoi on est doué. Spécialement dans la vie, on a toutes et tous des aptitudes, des choses qu'on aime faire, qui nous mettent en état de flow. On a aussi appris des choses, des preuves de vie difficiles, mais j'ai vraiment cette impression que les événements extérieurs ne sont pas un hasard, mais nous apprennent des choses. Hein, et donc, mélanger tout cela et trouver sa plus belle contribution et y aller. Voilà, y aller, la créer, l'incarner, l'offrir au reste du monde. Pour moi, le monde idéal, c'est un monde où chaque personne s'autoriserait à faire ça. C'est vrai que moi, j'ai quand même eu l'impression d'un retour un petit peu à l'essentiel aussi pendant cette période. Se retourner vers soi, justement, parce qu'on a coupé un certain nombre de distractions extérieures. En même temps, passer davantage de temps avec sa famille, ben, c'est aussi le vecteur de tout un tas de découvertes et d'aventures. Donc, j'ai eu vraiment cette impression, quoi, revenir à soi, se recréer un cocon, une sécurité, repenser certaines habitudes. Donc, c'est vrai que je vois ça plutôt comme quelque chose de positif et pour moi qui a contribué à un éveil de conscience. C'est vraiment mon ressenti à moi par rapport à tout ça, même si je ne nie pas toutes les difficultés que les uns et les autres ont pu éprouver. J'ai quand même le sentiment que ça a été une belle occasion d'apprendre et peut-être d'éveiller sa conscience, de changer des habitudes, voilà, de s'ouvrir à autre chose.